Ayant été énormément connu à l'époque pour des vidéos sur Flight Simulator, je me devais de venir ici. Salut ses amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de vent. Et puis, bien évidemment, si vous avez vu mon vlog précédent à Las Vegas où mes potes me font tomber à la piscine, bah, j'ai perdu mes micros. Du coup, je suis désolé s'il y aura des bruits de vent sur cette vidéo. On est accompagné par notre cher Gary School. Comment tu vas? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, merci. Voilà. Voilà notre ami Claudios qui est ici. Salut, c'est lui qu'il faut remercier pour les micros. Non? Non. Non? Je suis pour rien. Moi. Et actuellement, on est dans la ville de Rachel. C'est bah, la ville, le village, le hameau, j'ai même envie de dire. Donc le plus proche de la zone 51, on est environ à 40-50 km de cette base militaire. Et aujourd'hui, on va essayer de monter sur le point culminant qui permet de voir un bout de piste. Mais rien que ça, on va être très content. Bien évidemment, on n'a pas pu prendre la limousine, on a été obligé de prendre le Rubicon. Et ici, arrêt obligatoire dans ce petit restaurant. Donc Michael est en train de faire des plans de drone. Oh les patchs, il y a même des patchs de la police française. Excellent. Ah ça, c'est beau. Fameux burger alien, voilà. Bon appétit les gars. Voilà. On vient d'arriver à une petite boutique souvenir. Beau gosse. Et c'est sa trace. Fameux panneau. En plus, elle s'appelle vraiment comme ça. Alors, c'est pas une autoroute, c'est une route finalement, mais elle s'appelle réellement comme ça. Une ancienne mine qui est ici. C'est vachement intéressant. Ah, mais excellent. Pour rentrer dedans. Ah, mec. Allez faire du urbex. Putain, c'est trop fou. Ah, ils ont tout fait péter. Putain, le voyageur là-bas. Ouais, lui, c'est... T'as vu le wagon, il est retourné là-bas. Littéral et tout. Hein. Attends, je reprends. Oh la vache, c'est génial. Bon, basiquement, cette route. T'arrêtes de me filmer? Ça fait 10 ans qu'on est dessus. Oh, tu vas commencer à me payer maintenant? Non. Ça fait 10 fois qu'il me filme. Voilà. On dit que là, cette ligne droite, on met au moins. On met quoi? 20 minutes à la faire? Si, à peu près 20 minutes. Une demi-heure, tu penses? T'as une Bugatti, tu fais vraiment le top speed, c'est sûr et certain. Après, la qualité de la route, c'est pas non plus ça, mais bon. C'est vraiment fou parce qu'on se disait que pour atteindre les montagnes qui sont là-bas, bah, tu peux mettre une journée de marche. Alors que tu vois ton objectif. Pas l'objectif. Tu filmes ma cuisse là? Ouais. C'est une atteinte à mon intimité. Plus de poilu. Ouais. Plus poilu que toi, mec. Ah non, c'est pas possible. Mmh. Oh, tu veux qu'on fasse une bataille de poils de cuisse? Ouais. Ok. D'ailleurs, tu montreras dans ton lit tous les poils que t'as perdus. Ok. Poils de tub et tout. Bon, et sur le chemin, la fameuse black box qui est une boîte aux lettres au milieu de cette route. Oui, c'est vraiment possible. Voilà. La fameuse black box. C'est plutôt marrant. Ils en ont collé partout. Ouais. Je vais le garder dessus. Vraiment? C'est un vol en direct. Non, c'est pas la boîte aux lettres de la zone 51. C'est une boîte aux lettres d'un propriétaire d'un ranch. Voilà, tout simplement. Après, je sais que le grand JD a déjà fait une vidéo ici. Plein d'autres youtubeurs ont fait des vidéos ici. Chacun vit son expérience à sa manière. Nous, forcément, on est dans le milieu de l'automobile. Donc, c'est intéressant aussi de montrer toute la partie routière. Mais c'est complètement dingue. Regardez le délire. Ah, les gars, quoi. Ils ont... C'est fou. Tu vois, il y a le bitume derrière. Déstabilisant de se retrouver ici. Cette ligne droite fait clairement 30 km. Et la zone 51 est par là-bas. C'est absolument génial. Mickaël était en train de discuter avec ces personnes qui sont de Floride, c'est-à-dire qu'avec leur voiture, ils sont venus jusqu'ici. Bonjour. Ça, vous êtes un youtubeur français? Ouais. Mais moi aussi. Mais qu'est-ce que vous foutez dans le désert? Je m'en rappelle plus trop. J'ai été enlevé avec une vache. Sérieux? Ouais, c'est ta merde. Alors c'est assez marrant parce que tu roules plus vite ici que sur la route en asphalte. Enfin, en asphalte. On s'est compris quoi. On vient d'arriver à un carrefour, regardez, il y a les vaches en liberté. C'est génial. Regarde là, elle traverse. Ah oui! Ah oui, c'est un veau.
Piqué de pâture. Les vaches, c'est beau, c'est beau. Black Box, bah, c'est l'orange qui est ici. Pour ceux qui veulent éventuellement savoir. Attention. Waouh, les chiens, même. Il y a une voiture qui arrive en face de nous. On sait pas si elle arrive dans la zone 51 ou quoi, mais. Tu crois que c'est ça? Ouais, c'est un mec. Ils ont des pick-up. Ah, quoi que non. Ouais, c'était un F-150. Ils ont des pick-up blancs comme ça, mais c'était pas celui-là, je pense pas. Putain, il fait du tour. Au mytho. Ouais, je sais. J'espère qu'il vise pas le chauffeur en premier. Il y a un pick-up de surveillance. Ah, ouais, il tue le chauffeur d'abord. Ah, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on s'est mis à l'arrière, nous, les gars. Ah, ouais, il y a vraiment un pick-up de surveillance, c'est énorme. Ça y est, on y est. Alors, on n'est pas à la zone 51, hein. Mais. Voilà. Et là, il y a un avertissement. Si vous considérez passer dans le Nevada Test and Training Range Boundary. En gros, il y aura ces conséquences. Donc, déjà, il faut payer 1 000 $ d'amende. La voiture va être remorquée à vos frais. À vos frais, exactement, voilà. Oh, mais il y a des gens qui ont signé. Ouais, c'est vraiment des malades, les mecs. Genre, ils ont consenti, tu sais, les conditions générales de vente, tu vois. Là, on va être amené pour ICO Nevada pour être. Ouh là là, mais what? Tu dépasses juste le panneau. Ah, là, mais va chier. Allez. Ça, c'est... Donc le mec là-dedans, il doit certainement avoir un fusil de précision. Et des jumelles, il nous regarde. Voilà. C'est ouf. Mais je suis content, au moins on a vu ce panneau là. S'il avait été par terre. Si le panneau était par terre, bah, après nous on connaît parce qu'on sait que quand il y a la voiture là-bas, il faut pas y aller quoi. On est arrivé quoi. Bon là on vient de se taper à peu près 1 heure de route là. Ouais. Et puis on est sur une nouvelle road. Non, on est sur la bonne route. Vas-y, montre un peu le chemin pour y aller. Tikaboo Road. Tikaboo Road. Et en fait on, vraiment, on va juste monter, en dessous de la montée. Voilà, il y a quand même pas mal de routes. Et après, on va arriver au pic là-bas. D'accord. Au pic qu'on aperçoit. Ah oui. Donc, Claudio, il est content parce qu'il peut faire un peu d'off-road. Allez, vas-y. Wouh ! Petit drift, ça fait plaisir. Oh putain ! Oh putain ! Oh, ah ouais ! Ah ouais ! Oh merde ! Clive ! Ah oh, ouais ! Wouhou ! Même la voiture, elle en peut plus. Ouais, la voiture, elle bip dans tous les sens. Bon, bah, à partir de là. C'est délicat ? Là tu t'es mis en mode 4x4 mm-hmm. Là ça commence à être plutôt tendu comme chemin. On n'a pas le choix, il faut avancer parce que... Ah là on peut pas faire demi-tour, non. On est obligé d'avancer. C'est tout ce qu'on vous montre pas pour la zone 51, c'est génial. Ah, les gars là, en plus là, on a des psychopathes. C'est un chemin de psychopathe, ouais. Ça n'a aucun sens ce vlog. Oh, le caillou. Voilà, on a laissé notre petite trace sur ce caillou. Allez, salut. On passe un bon moment là. Là, c'est vraiment génial. Donc, alors là, ce qui serait vraiment fou, ça serait de voir un animal sauvage. Genre le Bigfoot. Incroyable. Attention, là, il y a des vrais cailloux là. Un mec, regarde, il y a même un mec qui a laissé son bas de caisse. Oui, oh putain. Oh. 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 Oh yeah. C'est pretty cool, yeah. On s'est auto-convaincu, tu sais. D'ailleurs, le drone, on se l'est fait prêter par qui? Par Studio Sport. On remercie énormément. Ouais, merci à Studio Sport parce que franchement, c'est de la dinguerie. Voilà. C'est quoi le nom de ce drone? C'est le Mini 3 Pro. Bah franchement, ça m'a convaincu, je crois que je vais m'en prendre. Vraiment. Ou à part si Studio Sport en a un en dispo. On va jamais vous le rendre. Improbable de se retrouver ici. Là, on est vraiment au milieu du désert. Y a rien, quoi. Voilà, on continue sur la route. Claudio, c'est un petit plaisir. La barlette qui fait du bruit. La barlette, c'est un plaisir aussi. Ah ouais. Il n'y a vraiment pas le temps. Wouah, avec les routes, elles sont incroyables. Claudio, il s'est créé en buggy, là. Regardez, les amis, il fait tellement froid ici. Alors là, par contre, j'explique même pas la galère pour venir ici. Regardez, il y a de la neige. En plein milieu du désert. Bah c'est qu'il fait tellement froid finalement. Ouais, il fait 7 degrés. J'espère
pas imaginer la nuit ici. J'ose pas imaginer la nuit non plus. Là déjà il fait extrêmement frais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est rentré avec mon Charlie Michael. Où en est-on d'ailleurs? Il reste un peu de route hein, quand même. Ah ouais? Ah oui, oui. Heureusement qu'on le fait. Pour monter au sommet, enfin t'imagines. Oula. Ouais, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Non, en plus, là, le pire, c'est qu'il faut faire le retour après. Oui. De nuit. De nuit. De nuit, en plus. Oh, l'angoisse. Ah, avec la barlette et tout, ouais, ouais, ça va être sympa, ouais. C'est la faille de San Andreas, hein. Ah, là, c'est chaud, là. Là. Là, non, on passe pas trop, là. Bon, bah, les gars, on a voulu aller à la zone 51, mais. Enfin, regardez. Ah, il y a la faille de San Andreas. Mais, genre, là, il y a rien. Faudrait faire de l'off-road. Hein? On est presque en haut, ouais. C'est trop con. Bon, vous, c'est une vidéo, donc vous avez qu'à un peu avancer pour voir si on y arrive, mais... Bon, désespéré, nous avons envoyé le drone. On va voir ce qu'on peut apercevoir à peu près. C'est sûr que c'est ça le petit Cabo Pic. What? Ouais, on a à pied là, on n'y serait pas arrivé avant le... À prendre ma mat. Ouais. On serait arrivé, il aurait fait nuit, mec. Mais t'es dans les nuages, c'est sûr, on entend même plus le truc. Bon, on va le faire atterrir, de toute façon on voit rien donc... Bon ben... Oh le seum. Ah ouais, le seum de ouf. Mmh. Ah, vraiment. Ah moi en plus, je suis vraiment du genre con, c'est-à-dire que moi un truc comme ça, je m'en fous, j'y vais quand même à pied quoi. En fait, là, en fait, vraiment, on aurait été tous les deux, j'y serais allé. Non, mais c'est pas ça. Bah, non, c'est pas ça. C'est, là, il aurait. Hein, mais... Non, mais plutôt. Non, on va pas vous laisser attendre, c'est n'importe quoi, jamais de la vie. Le gros problème, là, c'est juste une question de soleil, en fait. Là, le problème, c'est que déjà, il va faire nuit, c'est dangereux, mine de rien. Lui, il est en short, enfin, moi, je suis là, en polo, ça n'a pas de sens. Et puis, c'est surtout qu'il va... Il va faire super froid, quoi. Et on va rien voir. C'est surtout ça, on ne va rien voir. Alors, à un moment donné, il y a deux routes. Et on a fait le choix d'aller sur la route de droite, donc c'est-à-dire la route là, vous voyez, de gauche là, sur GPS, dans le sens inverse. Et bien en fait, c'est la route de merde, où c'était impraticable.